Amis viewers, bonjour et bienvenue pour les suites de nos aventures sur Mountain Blade Warband, donc toujours avec Edge of Arthur, pardon, 2.0. Alors, on est en guerre contre Béthune, ouais, contre les chevaliers, les Fransaliens, donc là, ils vont certainement attaquer Béthune, je pense. On va attendre quelques heures. La Catherine a pris un niveau. Ça devrait suffire, je pense. Ok. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, ça y est, c'est parti. Bon, en espérant que la carte soit pas buggée comme celle de Cambrai. Il y a beaucoup de boucliers quand même. Bon, j'ai poser les archers, mais vous êtes vraiment des chiens chiants. Non mais des chiens chiants, vous savez ce que c'est? Ok. Mais ça se passe pas super, hein. Je vais balancer la charge, on va essayer d'y aller au corps à corps. Allez, c'est parti. Oula, ouh là là, il faut que je me sorte de là vite. Ok, on est dans l'ordre du pas mal. J'ai envoyé la charge de cavalerie, bon c'est pas de la cavalerie, c'est de l'infanterie sans cheval, hein. Et j'ai posé les archers sur le mur aussi. C'est sûrement des renforts adverses, mais pas, voilà, pas des masses. Ok. J'ai mis les archers, voilà, sur ce mur, voilà, c'est impeccable. Ça devrait être pas mal.
Bon, sauf qu'ils foutent absolument rien, les archers, mais bon. Dans l'idée, c'était pas mal. J'ai pris une vieille flèche dans la gueule, je sais pas d'où elle venait. Ah, Clovis, il est toujours pas mort, putain. D'habitude, les chefs et tout, ils meurent rapidement dans le combat. Ouais, Clovis tient bon. Ok, bon, il doit rester un mec buggé quelque part, j'imagine. Clodomir s'est fait assommer à la fin de la bataille, c'est la tristesse. Eh ben voilà. Je vais voir Clovis, normalement on devrait pouvoir gratter un point de relation avec. Un ou deux. Un zéro. Enfoiré. Enfoiré. Clodomir c'est fait, faut choper Théodoric. Voilà. Théodoric, ça monte plutôt bien, oui, on est passé de 11 à 14 là. Bon, il veut toujours pas me soutenir moi, malheureusement. Mais ça viendra, faut être patient. Donc là j'ai envoyé un garde à Compiègne, une petite quête spéciale. Une quête, faut que je donne de la thune quoi. Donc, il faut toujours nos 500 thunes, groupe 148, on peut monter à 148. Alors, Rotomagus, Rotomagus. Pognon. Ou pas. Ah, par contre, ouais, il y a le rançonneur, donc ouais, du coup, on va faire un peu de pognon quand même, ouais. Ok, super. Sailor, hein, ok. On va regarder pour acheter à manger, je pense. Eh ben, on est bien. Je récupère mes PV. Quoique, j'ai déjà attendu là-bas. Attends. Ouais, je suis à midlife, ouais. Ça va. Ok, un banquet à Almera, donc c'est encore un banquet où il y aura personne.
Oh, ça c'est un banquier un peu tristouné quand même. On va attendre un peu que les gars arrivent, mais... Ok. Ok. Pénine a déclaré la guerre au royaume de France. Pénine, c'est qui? Ouais. Alors, rapport. Non. Note, faction. Bon, admettons. Alors, Francia. Ouais. Ouais, on va pas trop s'en inquiéter, hein. On va pas s'en inquiéter. Je pense pas qu'ils viennent nous chercher. Bon. J'ai laissé l'IA s'occuper de la grosse armée, moi j'en chope une petite à côté. On a toujours la quête de capturer un seigneur ennemi pour Clovis, ce serait vraiment bien qu'on y arrive. Mes relations avec Clovis, c'est juste l'enfer. C'est juste l'enfer. Bon, bah c'était bien. C'est quoi ce paquet d'ennemis là-bas? D'accord. Je sais pas s'il y aura moyen de les rattraper, hein. Ils sont déjà loin. Bon, on en a rattrapé 4, c'est bien. Oh bah tiens, il y en a encore alors. Je l'avais pas vu lui. Bah tuez-le, vous voyez bien que je suis handicapé, je n'y arrive pas. Ah puis celui qui court, on le bute pas là? Bon, il a réussi à s'enfuir malheureusement. Bon, mais maintenant faut aller sur le roi. Clovis est là, hein? Ouais, c'est bon. On est 1000 contre. Oh putain. J'ai l'impression que Clovis se mêle pas à la bataille, malheureusement. Bon.
coller mes archers là-bas. Hop, sur la colline. Mur de bouclier avec le avec l'infanterie. La cavalerie à mon cul. On va avancer un peu l'infanterie pour commencer. On peut avancer les archers, je pense. Ah, on fait voir un peu. D'accord. Je voulais aller choper le chef adverse, mais il est mal placé. Là, j'occupe. En fait, j'occupe l'infanterie. Le temps que ma charge de cavalerie tape bien dans le dans les archers adverses. Ok, j'ai lancé la charge de, d'infanterie avec, histoire qu'ils nous rejoignent. J'ai coupé une jambe au mec, quoi. Ah là là là. Je sais absolument pas ce que ça va donner. Dans Bannerlord, les amputations et tout, je sais pas. Je sais pas s'ils vont se lâcher un petit peu là-dessus, j'ai pas l'impression à en voir les vidéos. Bon, après, sur les trailers, ils vont pas nous mettre de gore, de décapitation et compagnie. Question de... histoire de toucher un plus grand public. Faudra voir ça à la release, voir dans les mods. Ok, là j'ai avancé mes archers, ils arrivent. Ok, renfort adverse. Aïe aïe aïe. Y'a que mes hommes qui sont en première ligne. Les siens, regarde, ils sont encore là en train de l'andouiller. Ce mode est parfois fini à l'urine de vache, hein, entre les... les batailles qui rament. Encore une fois, c'est vraiment dû au mode. Hein. Je tiens beaucoup plus d'unités sur d'autres modes. Bon, c'est pas grave. Hein. Il faut juste que je pense à baisser le battle sizer. C'est pas très grave. Au lieu d'être 400, on sera 300, puis c'est tout. Hein. Après, pour que ça rame plus, le mieux, voilà, c'est d'en buter un maximum en un minimum de temps. Ah bah faut être cartésien, il y a trop de monde, ça rame. Eh bah on enlève du monde. Ok, notre armée s'est fait défoncer. Là, il y a des renforts qui, bah, qui arrivent, quoi, donc ça va aller, hein, c'est juste le temps qu'ils arrivent. Niveau archer ennemi, c'est plutôt calme. J'ai perdu l'armée ennemie, ils sont où? Putain la vache. Ok, on a tout plein de cavalerie qui vient d'arriver.
Ok. Petite bataille gagnée. J'espère qu'on va capturer le roi. Ok, c'est la win. Par contre, combien j'ai perdu de... 15 morts. Pff, 15 morts, franchement, ça va. Ah. Ok, mes archers sont arrivés. Non. Ok, j'ai balancé mes charges. J'ai un peu précipité parce que je crois que mes alliés ont chargé eux aussi. Je préfère précipiter un petit peu pour pas le laisser tout seul. Plutôt que de me préparer trop longtemps. Merde, j'ai cru qu'ils étaient en déroute. Mais non, ils étaient juste en train de se replacer. Allez, 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 allez. Eh merde. Oh, il veut toujours pas me soutenir. Bon, le roi adverse a réussi à fuir. Moi, j'ai perdu en tout 30, 43 unités. 30-43, ouais, c'est nouveau, c'est comme ça. Eh ouais. Bon, bah, ce qui fait que il n'y a plus d'armée. Il n'y a plus d'armée chez eux. Il n'y a plus que Bergis à conquérir. Ok. Bergis avec 200 gars, donc je pense que ça va se faire pour le prochain épisode. Donc sur ce, les amis, je vais vous laisser là pour cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça aidera à soutenir la chaîne. Des bisous, à demain, ciao!